Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour la dictée numéro 8. Tu te souviens, je dicte trois fois, puis je passe à la correction. On y va? Alors, je commence par deux mots. Alors, un, plus loin, chat. Encore une fois. Un. Chat. Une dernière fois. Un. Chat. Je précise, il y a une lettre muette. Tu as trouvé? On y va. Un. Et la lettre muette, c'est la lettre T. Car au féminin, on dit une chatte. D'accord? On continue. Aujourd'hui, je vais écrire uniquement en cursive. 1, plus loin, rat. Encore une fois. 1, rat. Une dernière fois. 1, rat. Pareil que dans le mot précédent, il y a une lettre muette. Tu as trouvé? Oui. On y va. 1. Rat. La lettre muette, c'est la lettre T. Comme dans le mot chat. Parce qu'au féminin, la femelle du rat, c'est une rate. Je souligne les lettres muettes. On continue. 1. Plus loin. Mur. Encore une fois. 1. Plus loin, mur. Très facile. Encore une fois, une dernière fois. 1. Plus loin, mur. On passe à la correction. 1. Continue. Plus loin. Livre. Encore une fois. Un. Plus loin. Livre. Là, je t'ai montré la lettre muette. Troisième fois. Un. Livre. C'est bon? Je corrige. Un. Livre. La deuxième fois, j'ai signé la lettre muette qui est le E, un livre.
Quand je vais lire, je vais lire un livre. Et quand je vais l'écrire, je n'oublie pas le E, un livre. On continue. Un. Plus loin. Ami. Je recommence. Un. Plus loin. Ami. Une dernière fois. Un. Ami. Quand on va vite, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont te dicter un ami. Ce sont deux mots bien distincts. Un. Ami. Tu as trouvé, on corrige. Voilà. C'est bon, c'est facile. On continue. Là, je vais te dicter des petites phrases. Celle-ci a trois mots. Facile. On commence. Il. Plus loin. Va. Plus loin. Lire. Je recommence. Il. Plus loin. Va. Plus loin. Lire. Dernière fois. Je répète, il y a bien trois mots. Il, plus loin. Va, plus loin. Lire. On corrige. Il. Ce sont des phrases. Donc, on va mettre des majuscules. Car il y a toujours une majuscule en début de phrase. Effacement et minuscule. Je vais mettre une majuscule. Mon feutre le veut bien. Pas bien. Voilà. Il. Alors, il. Va. Lire. Lire. Lire avec un E en lettres muettes. Voilà. Il va lire. On continue. Une autre phrase un peu plus grande avec quatre mots. On y va. Là. Lit, plus loin, ramasse, plus loin, un, plus loin, livre, je reprends, la, lit, plus loin, ramasse. Masse. Attention, double consonne. Plus loin, un. Plus loin, livre. Une dernière fois. La, lit. Plus loin, ramasse. Double consonne. Plus loin, un. Plus loin, livre. Voilà, la phrase est finie. On passe à la correction.
la li, la, li, ramasse, j'ai dit double consonne, ra, masse, double consonne, ça veut dire double S, avec une lettre muette, ramasse, le verbe ramasser, Ali ramasse, un, livre, on l'a écrit au-dessus, voilà, un peu grande, hein? Quatre mots. Ensuite, on continue, encore une petite phrase, une phrase de cinq petits mots. Alors, il, plus loin, va, plus loin, sur, plus loin, un, plus loin, lit, point. Il, plus loin, va, plus loin, sur, plus loin, un, plus loin, lit, point. Encore une fois. Il, plus loin, va, plus loin, sur, plus loin, un, plus loin, lit, point. Il y a net muette au mot lit. On corrige. Il, va, sur, un, lit, avec sa lettre muette, qui est la lettre T. Lit. Ah, un T à la fin, il vient du mot literie. Literie, c'est tout ce qui concerne le lit. Les têtes d'oreiller, les draps, les couvertures. Voilà. Dernière phrase. Une phrase de quatre mots. Il, le joint, chasse. Double consonne. Un, plus loin. Ra, il y a une lettre muette. Point. Je répète. Il, plus loin. Chasse, double consonne. Un, plus loin. Ra, il y a une lettre muette. Dernière fois, et on passe à la correction finale. Il, plus loin, chasse, double consonne, plus une lettre muette, plus loin, un, plus loin, ra, avec sa lettre muette. Point final, on corrige. Il, il, plus loin, chasse, mon feutre rend l'âme.
chasse. Double consonne. E, car c'est le verbe chasser. Il chasse. Un. Rat. Avec sa lettre muette, le T. Et voilà. Nous avons fini notre dictée. J'espère que tu as bien compris. Je te retrouve pour une prochaine leçon. À bientôt.